Ouais, ça c'est mon fils, c'est un groupe magnifique. Et c'est ça, c'est la famille qui maintenant arrive à le bout. Là, on peut faire la conférence de presse. Là. C'est quoi les questions? Je réponds à ça. Ah, c'est... Mais bien sûr qu'on est content, vous êtes pas content? Ouais, c'est quelque chose de magnifique. C'est le travail, ça. On a écouté El Tactico, c'est ça son nom. El Tactico. Ciao, merci. Oui, oui, on est très, très content. Finalement, les champions de France et Monaco, on peut dire. Et on a mérité, on a travaillé beaucoup pendant toute la saison. Et je crois que nous sommes les meilleures équipes de France cette année. Et je pense que on peut que être fier de nous parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un grand jour et ça fait 17 ans que le club attend ça et je pense que tout le monde est heureux dans les rues. Avec trois de mes coéquipiers, oui, avec Nabil, Andrea et Daniel, parce qu'on est là depuis le début. On a eu, il y a 4 ans, jour pour jour, je crois, on a eu le titre de Ligue 2. Aujourd'hui, on a le titre de Ligue 1, donc c'est un bon clin d'œil pour ces 4 joueurs. Valère, pour toi, le titre, il a tu marques un... On a toujours dit qu'on était des amis, on s'aime, mais on s'amuse sur le terrain. Après voilà, franchement, toute la saison, il n'y a pas eu d'altercation, d'embrouille ou quoi. Tout le monde était soudé, quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force. On a le dernier match contre Rennes. On va essayer de gagner aussi. Et prochaine saison, nous avons besoin de travailler plus pour être champion aussi. La fraternité, le travail, la rigueur et puis surtout... le plaisir, la joie de vivre, et puis avec tous ces ingrédients-là, on a fait une saison magnifique. Est-ce qu'il y a un moment... C'est ça, une saison fabuleuse, avec une équipe de grande qualité, capable de gagner notre rival, une équipe très forte. Je crois que Monaco fait une grosse saison. Pour moi, la plus belle saison de toute l'histoire de Monaco, avec une demi-finale de Champions League, une finale de Coupe de la Ligue et des championnats français. Je pense qu'on a eu plusieurs matchs, qu'on a battu PSG à match aller, comme on a fait battu Tottenham à Wembley, que tout le monde n'attendait pas. Et surtout qu'on a eu le nombre de buts qu'on marque, notre attaque et la qualité du jeu. Et là, on s'est dit petit à petit, il y a quelque chose, on peut vraiment aller très très loin.